Sans transition. Le signal, rappelez-vous de ces habitants de ce lac-sur-mer obligés de quitter leur appartement en 2014. Et cette image impressionnante de l'avant-après de ce bâtiment, en quelques années, c'est devenu un symbole dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ce soir, nous accueillons Baptiste Tarade sur notre plateau pour nous parler de la dilatation des eaux, qui, vous allez le voir, est en partie responsable de la montée des eaux, elle-même engendrée par la hausse des températures. Bonsoir, Monsieur Tarade. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Justement, nous évoquions le signal. Qu'est-ce qui vous inspire ? Alors, première chose, tout d'abord, j'aimerais signaler à tous vos téléspectateurs que ce phénomène n'est pas unique. Vous allez avoir, par exemple, plusieurs îles partout dans le monde qui risquent d'être rayées complètement de la carte à cause de la montée des eaux. Deuxième chose, on pense souvent que la montée des océans est majoritairement due à la fonte des glaciers terrestres. Or, en réalité, cette hausse du niveau marin est due à la dilatation de l'eau. Alors justement, vous devancez ma question, qu'est-ce que la dilatation des eaux ? Alors, la dilatation d'un corps, c'est tout simplement l'augmentation de son volume. Cette augmentation est liée à la température de ce corps. Vous le savez, l'excès de carbone dans l'air réchauffe notre atmosphère. Par conséquent, quand on augmente la température d'un corps, on excite les particules qui le composent. Alors concrètement, quel est réellement l'impact de cette excitation ? Étant donné que les molécules vibrent davantage à des températures plus élevées, elles prennent plus de place et donc augmentent le volume de l'eau. Merci, Baptiste Tarade. La dilatation des eaux n'est cependant pas la seule conséquence de l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère. Nous retrouvons Pierre-Yves Selin devant les locaux de Tara Océan. Effectivement, Clément, nous allons nous intéresser à une autre conséquence de l'excès de CO2 dans l'atmosphère. Il s'agit de l'acidification des océans. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Nous venons donc d'apprendre que la dilatation des océans n'est pas le seul impact de notre activité. Il paraît qu'il était également question d'acidification des océans. Pouvez-vous nous en dire plus ? Alors oui. L'acidification des océans en est également une. Ce processus d'acidification est en réalité la cause de l'augmentation du taux de CO2 dans l'atmosphère. En effet, l'océan absorbe le dioxyde de carbone par une réaction acido-basique. Cependant, cette absorption n'est pas sans conséquence, puisque les ions hydrogène et carbonate qui sont produits par la réaction deviennent alors prédominants dans l'océan, ce qui fait varier le pH de l'océan entre 6 et 10. Très bien, mais quelles sont les conséquences de ces réactions chimiques sur la faune marine ? Là encore, tout est une question de réaction chimique. En effet, le carbonate de calcium, en réagissant avec l'eau et avec le dioxyde de carbone, se dissout en ion calcium, ce qui rend donc impossible la formation de coquilles. Cependant, tout cela reste assez théorique, alors quoi de mieux qu'une petite expérience pour y voir un peu plus clair ? Nous allons donc prendre du carbonate de calcium que nous allons mettre dans la coupelle. Puis nous introduisons le CO2 H2O. Le carbonate de calcium est complètement dissous, ce qui confirme donc nos précédents propos. Pour clore ce reportage, notre activité a de forts impacts sur nos océans. On l'a vu précédemment, il y a d'un côté l'acidification des océans et de l'autre leur dilatation. Sur le long terme, les conséquences sont d'autant plus graves, comme la mortalité des mammifères marins ou encore des inondations modifiant grandement nos paysages.